Passeport, s'il vous plaît. Quel est votre nom complet? Ok. Quel est le motif de votre visite aux États-Unis? Est-ce la première fois que vous demandez un visa visiteur pour les États-Unis? Et qu'est-ce que vous allez faire exactement aux États-Unis? Vous allez assister à une conférence? C'est dans quel état? La ville? Vous dites la ville, c'est Philadelphie. Ok. Et c'est pour combien de temps? La conférence se passera en combien de jours? Pouvez-vous me dire exactement le thème de la conférence? Et c'est qui l'orateur? En d'autres termes, qui vous invite pour la conférence? C'est dans votre domaine d'activité, n'est-ce pas? Que faites-vous dans la vie ici? Vous travaillez où exactement? Okay. Et depuis combien de temps travaillez-vous là-bas? Et pourquoi partir aux États-Unis? Pourquoi aller à une conférence au mois de février? Pourquoi vous n'attendez pas la période des vacances? Ou bien c'est une urgence? Et combien d'enfants vous êtes marié? Combien d'enfants avez-vous? Chez qui vous allez exactement? Vous irez à quelle adresse? Ou bien c'est vous serez logé par ceux qui vous invitent pour la conférence? Ou bien vous allez d'abord chez quelqu'un, après vous irez à la conférence? C'est quoi l'adresse? 5306 Normandy Court, appartement numéro 1. Et c'est chez qui? Votre cousin? Le nom, s'il vous plaît. Vous avez dit le nom, c'est Cissé Adamo. Votre cousin. Mais le nom que je vois dans vos documents, c'est Mamadou Diakité. Mamadou Diakité, c'est qui? Ah, vous avez changé de. Vous étiez au. Ce n'est plus la même personne. Donc, dans vos documents, vous avez Mamadou Diakité et c'est Cissé Adamo qui va vous recevoir maintenant. Ce n'est plus Mamadou Diakité. Bon, merci. Nous sommes désolés, mais vous pouvez toujours tenter une nouvelle chance, mais cette fois-ci, c'est sous la loi 214B que le visa vous a été refusé. Vous aurez la possibilité de revenir tenter votre chance.